Politique à présent avec une polémique au Conseil régional Languedoc-Roussillon. Depuis la mort de Christian Bourquin, le président, le 26 août dernier, Robert Navarro assure l'intérim. Il voulait fixer la date de l'élection de son successeur au 29 septembre, une date jugée trop tardive par des conseillers régionaux du groupe majoritaire puisque la loi précise que de nouvelles élections doivent se tenir dans un délai d'un mois. Josiane Colleret a donc émis de son côté une convocation pour le 26 septembre, une seconde convocation jugée illégale par Robert Navarro et son avocat qui ont déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier une requête en référé. Écoutez. Pourquoi le 26 ? Moi, la loi me permet de faire ou le 26 ou le 29. Le seul privilège que j'ai, c'est président de pouvoir choisir la loi. J'ai pensé aller au 29. Dans un souci de calme et d'apaisement, nous pensons, et M. Béral vous l'a dit, qu'il vaut mieux que ça se fasse après les sénatoriales qu'avant. Ce qui est important, c'est que l'exécutif du Conseil régional, en temps et heure, dans le cadre de la loi, soit changé, ça sera fait. Il n'y a qu'un seul candidat, vous le connaissez. Je voterai pour lui, je vous le dis, donc il n'y a pas de lézard. Et la suite des opérations, après, on verra bien, quoi.